fois, il y a 73 vies qui ont été ôtées à des citoyens guinéens. Le président de la République et son gouvernement ne sont jamais émus. Ils n'ont jamais daigné ouvrir une enquête pour identifier et déférer devant les tribunaux les responsables de ces crimes. Nous sommes dans quel pays, ça? Un dernier mot. Je voudrais féliciter la population de Conakry pour la mobilisation, pour l'engagement qu'ils ont montré à lutter contre la mauvaise gouvernance, contre la dictature rampante qui est en train de s'instaurer, d'être instaurée pardon, dans notre pays. Je voudrais leur dire de rester mobilisés pour continuer la lutte. Notre liberté, le respect de nos droits, naturellement, ce serait à ce prix, hélas. On est obligé de nous battre parce que nous sommes des Guinéens, nous avons droit et nous avons le devoir d'exiger que nos droits soient respectés. Merci, Monsieur le Président, d'avoir reçu Guinée Matin Show. Merci.